Ben, on est en pleine préparation du spectacle, là, au Gosier. Pour l'instant, ça s'annonce bien, avec un petit peu de retard, je pense. Hein. Je sais pas l'heure qu'il est, mais bon, un petit peu de retard, comme d'hab. Mais ça s'annonce bien. Donc, à très vite. Oui, non, mais c'est bon. J'ai pas senti ce que j'avais pas. Oui, mais c'est bon. Là, il y a quand même une vingtaine de danseuses, quand même. C'est un groupe quand même d'une cinquantaine de personnes, de membres, avec des musiciens, des percussionnistes. La base de Kakila, effectivement, c'est le ka, la percussion ka, mais pas seulement, puisqu'on utilise aussi d'autres instruments, bien d'autres, comme les congas, le bongo, la calebasse, le siyak, mais aussi. Depuis la prestation du Gosier, les percussions batterie. Donc il y a eu justement des batteurs qui sont intervenus avec nous, notamment Sonny Troupé, Pascal Latour. Camille Tani aussi est montée pour la première fois sur scène avec nous. C'est le président de Kakila et directeur. C'est lui qui s'occupe de la partie artistique, mais pas seulement, musicale principalement. Concernant les costumes, c'est vrai qu'on a des tenues très riches en couleurs. On utilise beaucoup de couleurs, des couleurs très, très vives. C'est aussi Kakila. Donc on essaie aussi de créer des costumes qui sont très, très originaux, des vêtements, des tenues originales, des tenues hors du commun avec tout plein de couleurs. Effectivement, c'est aussi l'image de marque de Kakila. On a plusieurs couturières qui ont travaillé avec nous. Et qui ont fait en sorte que les tenues soient magnifiques et aussi riches en couleurs. C'est vrai que Kakila, c'est un moteur important puisqu'on crée des chorégraphies très 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 originales qui sont hors du commun. Donc les chorégraphies sont effectivement travaillées par plusieurs d'entre nous, que j'ai déjà cité, notamment Sabrina et Maya et bien d'autres. C'est vrai que les chorégraphies aussi, c'est un mélange en fait de on peut dire que c'est de la création, c'est une création caribéenne, tout comme la musique, puisqu'on utilise en fait des pas qui viennent d'Afrique, des sonorités aussi qui viennent de la Caraïbe. Donc du coup, c'est vrai que les chorégraphies respirent en fait la Caraïbe. Donc voilà, donc je dirais que les chorégraphies et la musique, les ballets Kakila, c'est la Caraïbe et représentent la Caraïbe tout entière.
aimé la danse et puis quelqu'un m'a parlé du groupe Kakila après avoir vu le spectacle et m'a proposé d'aller voir en fait une répétition. Et j'ai trouvé que la musique était originale, les ballets aussi, et que l'ambiance était sympathique, même si on travaille quand même durement. Mais c'est vraiment l'ambiance et l'originalité de la musique et des pas qui m'ont fait adhérer au concept Kakila. Je faisais déjà de la danse en fait avant Kakila, dans divers groupes, donc j'ai fait beaucoup de groupes quand même, mais c'est vraiment dans Kakila que j'ai trouvé ma place et c'est pour ça que j'y suis depuis tout ce temps-là. Et après les chorégraphies, je veux dire, c'est pas compliqué, mais ça nécessite beaucoup de travail pour y arriver en fait. Kakila, c'est bien ça, pas bien là. Kakila, c'est on l'usine. Moi, je dis ça, c'est on l'usine. Pourquoi? Quand on peut apprendre à danser, on pas obligé ça à danser, mais on peut apprendre à vous danser. Moi, en tant que batteur percussionniste, moi, j'aime ça, tambour, percussion, tout ça. Alors que au passage, jouer percussion aussi, on peut venir en Kakila, on peut apprendre à vous. Aussi parce que Kakila basé si on l'a percussion, on l'a percussion qui n'y bongo, qui n'y conga, qui n'y tambour à Saint-Jean, qui n'y tout ce qu'il faut, conga, tout restant. Et là, moi, arrivé à faire ça, mailler ça, mettre ça en place, voilà. Mettre ça en place pour ça, ben moins, ça que ça va bailler là en Kakila. Mais Kakila vraiment, c'est percussion et danse. Et aussi, Jodla qui nous a dit que Kakila ouvert à toute musique, pas directement musique Gouka, nous peut jouer tout bité, ça c'est un bité qui est important, on y a dit ça aussi, parce que nous peut jouer boléro, nous peut jouer salsa, nous peut jouer begin, nous peut jouer toute musique en Kakila. Le Gouka, c'est pas uniquement ça nous peut jouer tous les jours, ça nous peut attendre tous les jours. C'est bien tout ça qu'on peut faire là, c'est vrai, parce qu'il faut nier aussi ça. Mais nous pouvons mettre plus loin, nous pouvons faire on l'obita dedans. Qui fait que Sony, Tenny Bongo, Tenny Cymbal, Tenny Cloche, Tenny Timbal, Pascal, moi-même Tenny Timbal en moins. Qui fait que nous mettons on bite six pieds. Son travail de longue haleine quand même, on a dit que nous faisons, mais nous pas. Si vous voulez que son bite qui nous déjà préparé longtemps, mais nous pas jamais répété. Mais nous toujours tenons nos téléphones, nous discuter de temps en temps. Bon voilà, nous faisons ça. Mais je l'arrive, nous faisons. Et bon bravo que moi dit que franchement succès là quand tu as tant de moins là on peut pas dire que moi étonné du tout parce que on sait que le public là t'est adhéré à ça et en plus encore ces musiciens là les danseurs tous ces monde qui étaient là bande à Norlise Cristal Frankie Mweza qui a joué maintenant Ben Evnor aussi qui a joué avec Tikapzi tous ces messieurs ils tout est là avec nous Joël La Rochelle avec Sof qui était là. Ni pas mal de monde qui j'a joué avec nous tout ça c'est mon qui j'a vu là là yo satisfait de travailler en nous mais ça nous commande aujourd'hui là qui est d'aller beaucoup plus loin dans ce système là et même nous aussi nous t'éveillons aujourd'hui là si c'est possible que tous ces groupes là qui ni en Guadeloupe là qui yo là en Guadeloupe que nous font travail ensemble ça pas qu'à déranger moi nullement c'est vrai on est bien content de faire ça. Et vous pouvez rapprocher de nous, ou bien nous qui venons à niveau à yo, et pour nous faire travailler là, ça, parce que nous avons l'obité à faire un tambour là, nous avons un paquet de c'est pas uniquement ça nous avons fait directement aujourd'hui là, que nous avons dit que vous, bravo, nous arrivons. Nous avons participé à pas mal de groupes aussi qui ont fait des bons travails ici, bon travail que vous là, en cas de continuer, bon, chaque monde a dans le chemin à yo, voilà. Nous pouvons nous faire.